Ici, au quartier Diatta, cela fait plusieurs jours qu'aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets. Et plusieurs coupures de courant ont été constatées pendant cette période de confinement et de couvre-feu. Une situation qui inquiète les habitants de ce quartier. L'inquiétude, c'est tout ça, parce qu'on nous a dit qu'il fallait au moins faire des, comment on appelle ça, acheter des vivres et mettre dans des congélateurs. Mais il y a moins une question qui se pose, une grande préoccupation au niveau de cela. Nous sommes en train de constater qu'il n'y a pas de courant. Ça veut dire que la nourriture que nous avons stockée dans nos maisons va certainement être avariée. Et en plus, au-delà de cela, qu'est-ce que nous allons manger? Parce que là, nous ne sommes qu'à 4 jours du confinement. Et déjà, on ne supporte pas déjà. Parce qu'il y a pas, il y a un problème d'eau. Un problème d'eau, déjà, c'est un problème d'ordre majeur. Le problème d'eau, il y a toujours des délestages dans ce quartier. Ce ne sont pas toutes les zones qui ont accès à l'eau et les gens sont obligés d'aller chercher de l'eau dans des différents forages qui existent dans le quartier. Voilà pourquoi vous pouvez constater qu'il y a des personnes qui sont en route, il y a des personnes qui sortent de temps à autre pour aller chercher de quoi ils peuvent s'approvisionner pour certains besoins d'alimentation ou des besoins à la maison. Vraiment, nous ne savons pas comment nous allons passer toute la journée, une population qui a respecté le gouvernement. Donc nous demandons aussi aux autorités de la SNE de respecter aussi la population. Nous ne pouvons pas vivre sans qu'il y ait de l'électricité. De l'eau, 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 l'eau pour se laver les mains, les fameuses mains qu'on lave là. L'eau, il n'y en a pas. Hein? Il n'y a pas de l'eau. Le savant encore, on peut se débrouiller. Hein? On aurait pu nous déposer ne fût-ce que un peu de savon et tout comme dans les autres quartiers. Hein? Donc on vous dit, restez à la maison. Il n'y a pas de l'eau. Donc les mains, on les lave avec quoi? Depuis 2 jours, il n'y a pas de l'eau ici. Même les boutiques d'alimentation censées ouvrir ont emboîté le pas au marché en restant fermées ce dimanche 5 avril 2020. Ce qui angoisse les habitants de ce quartier. Nous constatons que non, tout est fermé et on ne sait pas quoi faire. S'il faille s'acheter quelque chose, on ne peut pas et on ne comprend pas. Donc on veut avoir plus d'éclaircissement et comprendre réellement ce qui se passe pour mieux vivre au moins cette journée. Le constat fait par notre équipe de reportage dans les images témoigne de l'observation du confinement par les habitants de Diatta qui ont pris conscience de cette pandémie du coronavirus et s'appliquent au respect des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de ce virus mortel.